Et hey, what's up tout le monde, c'est Nightmare, on se retrouve de nouveau sur Black Ops 2 et cette fois-ci rien de mieux que retourner sur ce jeu pour vous présenter cette fameuse arme, le Raygun Mark II, et il s'annonce vraiment une tuerie. Donc je vais vous faire un petit peu la présentation de cette arme et en espérant qu'elle n'a pas trop de défauts parce que tout le monde attend impatiemment cette arme. Et donc du coup bah là vous pouvez remarquer que je suis à la manche 19, j'ai essayé pendant au moins 10 manches de l'avoir et tout en ayant le laser de premier et je n'ai pas réussi, donc je l'ai posé et j'ai dû faire je sais pas peut-être quelques caisses et ça y est j'ai enfin. Donc je suppose qu'on peut pas avoir les deux en même temps, donc c'est un peu un point négatif. Donc je sais pas trop si c'est vrai, si soit j'ai pas eu vraiment de chance ou soit c'est pas possible d'avoir les deux laser. Donc on va tester. Oh là là, c'est juste une tuerie. Donc on peut voir déjà qu'on commence avec 162 balles et dans le chargeur il y en a combien? 21. 21 balles dans le chargeur et en tout ouais près de 180 balles quoi. Ah non, on est vraiment pas mal du tout. Hein. Ah, vous remarquez que je n'ai pas le double coup et déjà rien que sans le double coup c'est juste une tuerie quoi. Je passe, oui, je passe. On va mettre un autre petit singe pour que je reparte là-bas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne après en version améliorée. Mais déjà rien que non amélioré. En fait ça tire 3 balles par 3 balles. C'est pas comme le premier laser. Ça fait des traces. Voilà, ça fait des traces vraiment sympathiques. Attends, il y a des munitions là-bas, je vais les récupérer. Donc cette arme se trouve sur toutes les maps, il y a eu une mise à jour aujourd'hui, donc en fait c'est un collègue qui m'a appelé et qui m'a dit que c'est bon, l'arme était disponible dès aujourd'hui, donc il y a eu une mise à jour récemment. Bon, il y a eu quelques mises à jour, mais bon, on va pas trop en parler, c'est surtout l'arme qui nous intéresse. Et donc du coup, elle est, oui, voilà, donc elle est disponible sur toutes les maps, donc je vais en profiter pour l'améliorer et voir ce que ça donne. Vu qu'il reste un zombie ou deux. Ça nous donne le pistolet laser de 2 porteurs. Donc on a 201 balles et dans un chargeur de 42. D'accord, ça tire toujours 3 par 3. À mon avis, ça doit juste faire plus de dégâts, je crois. Alors, c'est une arme qui se tient à deux mains, donc comparé au premier laser qui se tient à une main. On court moins vite. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. On court vraiment moins vite qu'avec le premier pistolet laser. Mais je pense que ces dégâts compensent en fait ces défauts. On fait vraiment beaucoup de dégâts. Je pense qu'il y a moyen de faire de hautes manches avec cette arme comparé au laser. Je pense que dans les hautes manches, ça doit faire beaucoup plus de dégâts. Que le premier laser, je veux dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne avec double coup. On va mettre un petit singe pour pas se faire coincer bêtement. D'accord, un singe qui ne marche pas. Alors, on recharge. Ah ouais. La cadence est beaucoup plus élevée en fait avec double coup, qui nous fait vraiment une mitraillette une mitraillette complètement de qui tire des balles de laser, c'est juste impressionnant quoi. Ah y a pas photo, c'est un monstre cette arme, c'est un monstre. On va voir ce que ça donne avec le tour de passe-passe. On va voir comment s'effectue le rechargement. Rapide hein, vous voyez. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Testez la franchement, n'hésitez pas à lancer direct votre console, mettez Black Ops 2 en mode zombie et cherchez cette arme, faites la caisse et vous allez voir, vous allez pas être déçu je pense. Allez, ciao tout le monde.